Après avoir imprimé votre marqueur, vous pouvez maintenant le positionner à l'endroit souhaité. Nous allons le positionner comme ceci. Une fois positionné, vous pouvez dès à présent lancer votre application. Et j'accède à la bibliothèque de produits. Donc disponible soit en monosplit, soit en multisplit. Je vais choisir la gamme de produits en monosplit. Ici, vous voyez l'intégralité des modèles qui sont disponibles. Je vais prendre les Dekinemura en silver et je peux même choisir la puissance. Une fois le produit choisi, vous positionnez l'iPad devant le marqueur et le produit apparaîtra. Vous pouvez également le mettre en fonctionnement, comme ceci, pour avoir un rendu concret du produit chez le client final. Vous pouvez également voir ici les différentes dimensions du produit, donc la profondeur et la largeur. Avec le même marqueur positionné au sol, il est également possible de voir l'unité extérieure en fonctionnement. Et enfin, pour terminer, vous pouvez également prendre une capture de l'écran.